Allez, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à la ferme. Une toute nouvelle semaine qui débute. Là on est mercredi. Je vous ai pas repris juste avant. Lundi je suis pas venu travailler, j'étais resté couché chez moi. Tout simplement. Comme vous pouvez voir derrière moi, je suis avec le petit Caz. Le petit Puma 145 avec le décompacteur 3 dents. Vous avez vu une fois dans une vidéo, je vous ai un été, donc il y a 2 ans. Donc on a décompacté toutes les rades de traitement. Donc voilà. Donc là je suis dans la parcelle de couvert végétal qu'on a épandu le fumier la semaine dernière. Comme vous pouvez voir, il y a un petit coup de déchaumeur qui a été fait. Ça a bien scalpé. Regardez. Bon. Ce qui était important, c'était d'enfuir le fumier. Donc vous voyez, on a épandu le fumier, là c'est un petit bout de fumier qui reste. Et on passe un petit coup de déchaumeur à dents, à disque. Cette année on a fait un déchaumeur à disque, parce que avant on l'avait pas tout simplement. On l'a eu au mois de septembre, donc on en a profité. Et franchement ça s'est assez bien travaillé, ça fait propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Le déchaumage est propre. Donc là je suis en train de décompacter la parcelle. Celle-ci c'est une parcelle qu'on ne labourera pas. On veut juste aller chercher la décompacter sur 25-30 cm. Là je suis un peu plus que 25. On est à peu près à 30-30 cm, histoire de l'aérer. Et puis garder une structure en dedans surtout. Que c'est pas une parcelle exceptionnelle celle-là. En blé si on fait. Cette année on a dû faire 50 je crois. Donc c'est pas terrible. Donc voilà. Regardez, puis c'est une terre. Il y a un peu tout, il y a du limon, de l'argile, il y a des cailloux. Donc là vous voyez, hop, je descends. Encore, encore. Vous voyez, je suis bien à... Je suis largement à 30 cm. Celui-là je peux redescendre encore dans le trou. Hop. Il y a un petit peu de vie quand même, il y a un petit peu de terre. Comme quoi, pas besoin de faire d'agriculture, de conservation ou de biologie pour. L'agriculture biologie pour avoir de la vie dans la terre. Le principal c'est d'apporter ce qu'il faut à la terre, sachant qu'on extrait. Donc extrait, c'est-à-dire quand on fait du blé, le blé prend tout ce qui traîne dans le champ, dans le sol. Et nous, c'est le fait de ramener du fumier, faire des couverts végétaux aussi, ça fait de la vie, ça entretient le sol. Donc voilà, le principal c'est ça, c'est d'avoir de la vie dans le sol, histoire d'un bon rendement. Là ce sera pour du maïs, mais pour le blé ou le colza ou de l'orge, pareil. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse avec quelques images. C'est pas ouf, hein, c'est que du décompactage. Ça, puis ce sera déjà pas mal. On aura fait une bonne matinée déjà. Parce que là, mon patron a commencé lundi. Lundi après-midi, il a fait 1h30. Il a fait un petit 2 hectares. Donc moi j'ai 2 heures devant moi. Donc je vais faire 2,5 hectares, la parcelle en fait 5. Et je ne vais pas être quitte normalement. Donc voilà, vous voyez les petits décompacteurs là, on descend à un bon 30 cm. Je vais vous le relever si vous voulez. Hop, on va mieux voir. Et on vient piocher jusque là, on est à... un bon 30 cm. Après c'est les roues qui jaugent. Donc, vous voyez les roues elles appuient, donc la dent peut pas descendre plus bas qu'une fois que la roue est posée au sol. Voilà, vous voyez, regardez. Et puis aussi ça va réchauffer la terre, l'avantage. Regardez, il y a une vie là, il y a un verre de terre. La terre est froide donc ça va la réchauffer, c'est pas plus mal. Donc voilà, mon patron il a fait ça, il a ressoudé des arrondis sur les dents. Hop. Attendez, je vous fais faire ça. Voilà. Et là, il a soudé des arrondis sur les dents. Comme on peut voir. Ah, je pourrais ça l'enlever. Parce que ça fondait à vue d'œil. Donc là, ça fait tout ça. Et là, il y en a une dent. Et là, il a racheté des pointes. Il les a ressoudées par-dessus. Histoire d'éviter d'user trop vite celle-là. Que ça coûte. Celle-ci coûte que dalle. Et par contre, celle-là, elle est un peu plus chère. Donc voilà, donc il l'a ressoudé en dessous, au-dessus, sous la terre. Et comme ça, ça tient et ça permet d'user celle-là avant d'user la dent. Comme ça, une fois que celle-là sera bien usée, plus ça arrivera juste. Parce que l'autre, elle arrive à cette hauteur-là à peu près. Donc voilà. Donc voilà. Histoire de donner un peu plus de vie à la dent. Puis franchement, ça fait du bon boulot.
Voilà, j'ai fait 8 tours, 8 passages. Elles sont encore là, donc la soudure était bien faite. Impeccable. Bon allez, on continue. On va scalper tout ça, décompacter tout ça. Et le prochain qu'on reviendra là, je pense, enfin, moi je ferai un petit coup de déchaumeur à disque, histoire de remietter tout. Et juste avant le semi, un déchaumeur à dents. Après je sais pas ce qu'il fera lui, mais de toute façon c'est moi qui va le faire, je sais pas trop. Bah, le semi on verra bien. Mais... Donc, voilà. Moi on voit bien la parcelle. C'est une parcelle de terre à portée qu'on appelle ça, parce que de l'autre derrière la haie, là il y a une autre, il y a une 4 voies. C'est la 4 voies qui ramène à Cherbourg. Et quand ils l'ont faite, eh ben, ils ont donné de la terre. Enfin, oui, on va dire donner de la terre aux agriculteurs. Parce que exactement, je sais plus trop, il m'a déjà expliqué. Mais... Donc ils ont pris un brin ici et le voisin, c'est pareil, il a la même terre, exactement la même. Et c'est pareil, c'est la même. Ben, pour être poli. Caca. Voilà. Histoire de. Allez, c'est parti. Alors, si tu baisses, ce sera mieux. Bon allez, quelques images. Parcelle quasi terminée, elle m'a fait une longueur à faire dans la chinte, dans la chancière, dans ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. J'ai fini côté colza là-bas, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus rappuyé. Donc voilà, mais ça le fait tranquille. Il n'y a que dans la chancière du bas, c'est très humide. Le gars avec les bandeurs infirmiers a failli s'y les loger déjà. Bon, l'avantage c'est que comme tu labours pas, t'as une semelle de 30 cm. Une fois que t'es arrivé sur le fond, tu risques pas de couler. Donc voilà. Ça s'est pas trop mal passé. Là il est midi 40 à peu près. Donc,
2 heures de boulot, ça a été un peu calme. Un peu plus de 2 heures. Donc, c'était nickel. Allez, moi je m'en vais faire les rats de où c'est qu'on a emmené le fumier dans la parcelle qui est juste à côté là. Et un petit coup sur le bord du champ. Et puis ce sera pas mal. Allez, salut à tous, moi je vous reprends aujourd'hui en ce vendredi 26 avril. Vous pouvez voir derrière moi, je suis avec le télesco. J'ai quelques piquets de clôture, la petite tronçonneuse, un seau, du barbelé. Et des petits gants, mais qui sont troués. Donc je vous reprends là, je suis en train de faire un peu de clôture. Là. Je suis venu hier enlever tout ça. Ça, c'est des branches de la tempête sirène qui sont tombées. Il y a quelques dégâts dans les arbres. Regardez celui-là, il est tété. Donc voilà. Donc là, je suis venu hier, j'ai ramassé. J'ai fait le tour des deux premières parcelles. Il y en a une troisième que j'ai pas été encore. Et il y en a une, il y a un arbre qui est tombé sur la clôture, donc faut que je coupe la tête. C'est l'arbre du voisin, du bois, donc je vais la rebalancer dans le bois. Donc n'empêche, ça fait un beau petit tas. Bon, c'est assez, après il y a du bois quand même. Donc voilà, donc là le fil a été cassé à ce niveau-là à peu près. On voit bien de toute façon. Depuis la tempête Kiran, on n'est pas venu dans la parcelle. Mon patron est venu chercher les genisses juste avant. Le jour de la tempête, enfin le lendemain de la tempête. Donc voilà, donc là nickel, j'ai retendu avec le tendeur qui est là. En bas c'est pareil, il y a un tendeur qui est plus bas par là-bas. J'ai renfoncé le piquet qui était ici. Donc voilà, donc là, cette parcelle-là c'est bon. En bas j'ai été voir, il manquait un crampon. Pareil, une branche qui était tombée sur le fil, ça a fait sauter le crampon et du coup. Du coup tout était par terre. Donc voilà, donc là je m'en vais de l'autre côté. Hop, je vais vous faire voir l'arbre qui est tombé. Côté là, tout ça jusqu'à derrière le télesco, jusqu'en bas. Il n'y a pas grand chose, il y a un petit barbelé à retendre, c'est tout. Donc en redescendant, en rentrant tout à l'heure, je ferai ça. Donc voilà, donc ici, pour voir, il y a un petit peu d'herbe. Ça fait mal de marcher dans l'herbe comme ça, mais bon, faut ramasser les branches. Ici, c'est là qu'on met les genisses inséminées, prêtes à vêler. Enfin, prêtes à vêler. Les premières vêleront au mois d'août. Donc, et puis là, dans le bâtiment, on n'a plus de place nulle part, mes petits veaux partout, j'ai plus de place. Donc faut faire les tours des champs, faut faire la clôture. Mais ça, c'est un truc qui me plaît clairement. Ça me déplaît pas de faire de la petite clôture, c'est satisfaisant quand tu vois tout est par terre et puis là, juste ça c'est satisfaisant, que tout est propre, tout est rangé, tout est bien droit, impeccable. Allez, moi je continue et on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait le tour là, hop, vous pouvez voir les passages, bah il y a le télescope là, mais le passage là, sur ce côté là, il n'y a rien à faire, impeccable. Il y a juste là, il faudrait que je retourne un petit peu le fil, mais c'est, je suis juste à côté donc on verra ça après. Donc vous voyez, j'ai commencé à arracher, à prendre l'arbre, mais l'arbre il est tombé. Je sais pas si on voit bien le tronc là, comme ça là. J'ai essayé de le pousser hier avec le télescope, mais ça a gratté. Alors du coup, bah, c'est pareil, je viendrai demain avec la tronçonneuse. Et... Du coup, bah, je vais couper à fleur de notre terrain et puis reclôturer ça comme il faut. Là, balancer toutes les branches de l'autre côté, parce que c'est pas à nous, tout simplement. Chacun sa merde, comme on dit. On a déjà assez comme ça. Et là, on pouvait voir là, une parcelle de labour, là, c'est une parcelle à nous. Qui a été déchaumé après la moisson, non après l'ensilage de maïs, pardon, on a fait du maïs, il en a semé un petit couvert, enfin on a essayé de semer un petit couvert, oh, ça a pas trop mal marché, et là du coup déchaumeur, ça a été semé au déchaumeur à disque, le couvert, là ça a été épandu le fumier et déchaumé, et dès qu'on pailleté au niveau des rats de qu'on ait ramené le fumier, et là bah, du coup on va faire du un petit coup de labour, un petit peu de maïs. Donc voilà. Là, il y a 3 hectares et derrière les maisons, là-bas, il y a 1 hectare de... en plus. Donc ça fait une parcelle de 4 hectares qu'on ensilera sûrement bon, quand on déménagera le nouveau silo, le vieux silo. Donc voilà. Allez. Moi, je fais tout ça. Là-bas aussi, il y a un petit peu de... Il y avait un bout de sapin qui a été descendu. Alors, il y a un peu de barbelé. Et puis, on continue. Mais là, il y a beaucoup de boulot. Donc déjà si j'arriverai là, j'arrive à la carre d'ici ce midi, ce sera déjà bien. Allez, moi je vous reprends là. Fin de matinée. J'ai pas fait beaucoup, j'ai fait ce côté là. Et ici. Il y avait un petit peu de boulot, le temps de tout repousser, de tout faire propre. Regardez. Un beau piqué. Toc. Une petite clôture tranquille. Bon bah voilà. Bon, je pense que j'en reviendrai lundi, je vous garderai avec moi. Histoire de continuer la vidéo.
Là aussi, trois rangs bien tendus, impeccable. Donc voilà, donc là, fin de matinée, je vous reprends lundi avec moi, je disais. Je pense que lundi matin, je devrais être quitte en arrivant une heure plus vite. Je suis arrivé, il était que midi, donc j'y arrive à 11h, 10h30, 11h. Je devrais être quitte, malgré qu'il y ait encore quelques branches à couper. Bon, ça va bien se faire. Bon allez, moi je vous laisse là, puis on se dit, moi je vous dis bon week-end, mais pour moi, et puis on se retrouve lundi. Allez, salut à tous les amis, moi je vous retrouve là en ce lundi. Lundi 29, il me semble, mercredi 1er, donc oui, lundi 29, donc une semaine à 4 jours, pour ma part. Là je vous reprends, j'ai le télescope avec moi, je suis en train de faire un peu de clôture à droite à gauche. Là je suis arrivé, la parcelle qui est plus haut, là il y a la route qui passe devant le pignon là. On voit bien, là j'ai refait un petit tas de branches, celui-là je vais le laisser là ou je vais le ramener sur les ronces, sur les orties là-bas. Là il y a un tas de blancs, là c'est des orties. Donc je vais essayer de le ramener là-bas après. Là j'ai commencé à faire un peu de clôture, je vous ai fait quelques images, je vais vous mettre ça juste après, et puis là il me reste que ça à faire. Le petit bout là. Après il faut que je fasse le tour là, mais là normalement il n'y a pas grand chose. Il y aurait un fil à retendre et puis après il faudra refermer la parcelle. Parce que dans cette parcelle là, on les met un mois après, histoire de gérer un peu l'herbe. Parce que là c'est plus frais hein, bien sûr. Mais il y a de l'herbe quand même, là on pourrait les mettre. Mais il y aura assez dans les deux autres parcelles. Les deux autres on les met ensemble parce qu'il y a l'eau qui est dans celle du milieu qui est derrière les chaînes. Donc voilà. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, ça a été. Hop. Donc voilà, allez, là je viens de remettre à piquer. Il est où? Là. Là j'ai remis à piquer. On va remettre les barbelés. Après, là c'est pas terrible, mais le fil est bien tendu. Il faudrait que je vienne avec le broyeur quand ce sera un peu plus sec. Parce que là vous avez vu, ça marque. Et que le télesco il marque. Là juste à la fin, je vais refaire un petit coup de godet histoire de rétaler tout ça, boucher toutes les rades, ou éviter que les genisses se fassent trop mal. Là, c'est pareil. Il y avait une branche qui était tombée, je l'ai repouchée chez le voisin. Tout ce qui appartient au voisin, on remet chez lui, comme ça, on n'a pas de souci avec ça. Donc voilà, moi je continue, je vous mets quelques images, et on se retrouve quand je serai terminé, quand je serai quitte, prêt à partir du champ, pour conclure la vidéo. Allez, on continue!
Il est pourri. On va en remettre un, ça va être mieux. Celui-là, il devrait tenir. Bon bah voilà, fin de chantier de clôture dans les trois parcelles qui suivent. Il y en a une là, une au-dessus, je sais pas où on aura. Là il y a le tas de bois, là il y a une entrée, et derrière les chênes là-bas au fond, il y en a une troisième. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a un peu d'herbe. Il est temps de sortir les genisses, ça m'arrive à la hanche à peu près, là. À la taille on va dire. Donc voilà, là vous avez pu voir derrière, il y a le râtelier. C'est là où on emmène la bouffée. Oh, j'ai mis une petite botte d'embanage de temps en temps à partir de là ça va être fin juillet début août, après en fonction de l'herbe qui va rester, mais bon cette année sachant qu'on va retirer plus vite parce que les premières vont veiller au mois d'août, il faudra quand même leur ramener à manger, comme ça on les ramène dans le parc qui est là-haut, oui là-haut par là, ça va être ça à côté du gros chêne là. Tac. Donc, comme ça ça permet de les ramener là-bas avec la bouffe, les embarquer, amener la bétaillère, monter les vaches qui genissent, qui sont prêtes à veiller ou qui vont bientôt veiller, histoire de les préparer quoi. Donc voilà, allez moi je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu de clôture, un petit peu de décompactage. Bon, il n'y a pas eu grande activité aujourd'hui, cette semaine, au cours de cette vidéo, mais bon, je vais partager mon petit quotidien à la ferme en tant que salarié agricole. Vous voyez, toujours un fidèle de mon petit Manitou. C'est pratique parce qu'avec le bras qui télescope, et ben, le bras qui est télescopique, quand c'est mouillé, on peut enfoncer les piquets. Parce que ça nous permet de gagner 2-3 mètres. Avec le bras, c'est nickel. Donc comme vous pouvez voir, là encore des petites branches. Là, je viens de faire un petit trou juste devant. Il a devant le godet là j'ai aussi qu'à le piquer. Il y avait les branches qui étaient dessus. Évidemment j'avais fait le tour il y a trois jours. Il y en a encore une là. Bon là celle-là je gêne pas trop mais. Les petites branches. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça c'est un peu galère. Mais enfin bon, on viendra rechercher tout ça, on débitera tout ce qu'il y a et le reste ça ira au feu comme on dit, parce que demander une autorisation et faire du feu, histoire d'être dans les règles. Bon allez, salut les amis, moi je vous reprends là, du coup on va finir une vidéo aujourd'hui mardi, mardi 30 avril, on finira le mois de mai ensemble dans la vidéo. J'ai commencé la semaine dernière en décompactant et un peu de clôture, là on ne change pas, je fais avec le télescope, quelques piquets de clôture, du barbelé, on fait le tour des parcelles. Donc là c'est des parcelles, trois parcelles suite à suite, où c'est des genisses qui vont être asséminées l'hiver prochain,
Je vais mettre comme ça, c'est mieux, c'est moins flou. On va être assimilé l'hiver prochain. Donc là, il y a, je sais pas, je sais pas du tout combien il y a d'hectares. 3, 4, 4, 4, peut-être 4 hectares quand même. Je sais pas du tout, franchement, je peux pas vous dire. Il y a 3 parcelles, donc là, il y a un creux au pied du chêne, là. L'autre côté, et normalement, il y a un chêne sec par là. Et il y a un creux aussi, là. Donc voilà, 3 parcelles cocottes. Et regardez, nos amis les sangliers, ils nous ont fait une belle... Ils ont tout labouré sur le bout d'un bout à l'autre. On va voir là, hop, il y en a encore. Nos amis les sangliers, soi-disant qu'il n'y en a pas beaucoup. Et tout ça, ça nous amène des petites maladies. Telles tuberculose ou... la plus connue, c'est la tuberculose. Et tout ce qui est faune sauvage. Donc voilà, enfin bref. Là, derrière, il y a un bois. Enfin, c'était un bois marais. Et là, tout le long du bois, il y a un creux derrière les piquets. Et là, on met le courant dedans. Et ce côté-là, où c'est que j'étais tout à l'heure, le long du champ de blé, là, c'est 3 rangs de barbelés. Donc, je répare tout, je fais le tour du champ, histoire que le jus passe bien, qu'il n'y ait pas de fil par terre. J'ai changé déjà un piquet, vous allez voir ça. Et là, je viens de remettre des coups de tendeur, là, dans le tendeur. Hein. Des gouttes de clé dans le tendeur pour retendre tout ça bien propre. Donc voilà, allez, bah moi je continue. J'ai mis mes petits gants un peu morts, mais vraiment c'est comme ça. Je préfère ceux-là, ils sont à ma taille. Les autres sont un peu trop grands. Même si le barbelé passe à travers, au moins je suis à l'aise. Donc voilà, allez, moi je continue à faire le tour. Je pense que là il n'y a pas grand-chose. Il y a la deuxième parcelle un peu plus, qu'il y avait un arbre qui était tombé. On va faire voir ça après. Donc voilà, on continue! Complètement cuit.
Nevla, le bout de bois, le sacré arbre qui était tombé durant la tempête Ciaran. Et là, c'est une parcelle, vous voyez, c'est la terre noire là. C'est de la tourbe. Vous voyez les cochons, bah là c'était l'arbre, mais les cochons ils s'amusent. On est obligé de faire le tour du champ parce que sinon c'est trempé. Bon, voilà, parcelle tour de parcelle terminée. Et là vous pouvez voir derrière moi, je suis dans la parcelle de blé. Parcelle de blé que mon patron a fait un petit fongi il y a 15 jours. Et là je vais regarder si la dernière feuille était montante. La dernière feuille est en train de t'aller. Donc à mon avis, en train de t'aller, il n'est pas gonflé encore. Bon, la dernière feuille, je m'en suis en train de sortir, donc ça devrait le faire. Bon, c'est un beau blé quand même. Du blé qui a été fait entre la pluie et le beau temps. Cette année, c'était pas une année facile. Je vois, il y a quelques taches de régras par droite. Droite gauche, là, il y a du régras, là. Sinon, dans l'ensemble, il est propre. On voit bien le sol. Un beau blé qui va faire un petit peu de paille. Bon, il arrive au genou, là. Vous voyez ? Et là, il y a 10 hectares sur 3 parcelles. Là. Je crois qu'il y a 11 hectares parce qu'il y en a derrière le chêne, il y en a derrière la ferme, le camp de la ferme qui est là. Du beau blé, tout ça. Donc voilà, donc le tour du champ des clôtures, c'est terminé pour les deux parcelles où c'est qu'on sort les genisses. Il restera la parcelle des bœufs, les bœufs qui sont jamais sortis à faire le tour de la parcelle. On va voir si le jus descend bien jusque. Parce que le blé bœuf, en gros, ils vont aller là-bas, derrière les chênes. La première parcelle, on fait du foin et. Je sais pas si on va trop voir. On a les chênes au milieu là entre deux. Non, là, entre deux. Et derrière, il y a un tout petit chêne presque sec là-bas où un frêne. Et bah derrière là-bas, il y a une parcelle. Je sais pas, je sais pas combien d'hectares. 2 hectares, 2, 3, je sais pas trop. Et on sort les bœufs là-bas dans la première parcelle qui est mouillée. Après, on fait de leur emballage. On fait le foin. Et après, ils ont. Il y a 3, 5, 8, 9, ils ont une dizaine d'hectares pour 20 bœufs. Donc ça reste assez grand pour l'année. Et on leur amène un peu de granulés de temps en temps. Au début c'est quasiment tous les jours. Après on étale et quand on vient les rechercher, on commence à mettre leur emballage avec l'aliment, histoire qu'ils s'habituent. Puis après, une fois qu'on arrive au mois de décembre, on les ramène auprès de la ferme. Qui pâture toutes les vaches. Ils mangent toutes les pâtures des vaches. Et après on ramène tout ça pour Noël à peu près, Noël jour de l'an, dans le bâtiment. Donc voilà. Moi bon, en tout cas j'espère que cette vidéo de clôture vous aura plu. J'avoue, c'est pas très passionnant, mais c'est un truc que j'aime faire. Alors, je voulais partager avec vous. Ça permet de voir comment ça se passe. Comme quoi, on fait vraiment bien le tour des parcelles avant de lâcher les bêtes dans les champs. Puis ça, c'est un truc satisfaisant. C'est tu fais le tour, hop, un piquet qui est enlevé, hop, puis ça fait tout de suite plus propre. Voilà, là, il reste juste à passer un petit coup de broyeur sous les fils tout autour. Donc, celle-ci est celle qu'on a fait hier, qu'on a fini hier, histoire de faire ça propre pour que les vaches, les genisses voient bien le fil. Et comme ça, ça fait un petit chemin tout autour, ça évite qu'il fonce en travers dans toute la parcelle. Mais bon, là, il n'y a pas extrêmement d'herbe. Bon, il y a un peu d'herbe pour y lâcher les genisses, mais on va attendre un peu que ça... C'est une terre assez froide, donc ça se réchauffe. Puis il a mis l'engrais il y a peu de temps, il y a une semaine, je crois. Du coup, ça va se réchauffer, l'herbe va pousser. C'est comme c'est de la tour, c'est une terre assez froide et humide. Bon, allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à liker, à vous partager, ça fait plaisir. Et on s'abonne. Sur ce, à la prochaine. Ciao.